Salut à tous, c'est Flakdos, plus connu sous le nom de Bébé Gaming, et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comment avoir une intro facilement et gratuitement. Run. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va essayer d'avoir une intro gratuitement, facilement, sans prise de tête. Vous allez voir, tout est gratuit. Donc pour cela, vous avez besoin de trois applications. La première qui se nomme TubeMate, qui est disponible en fait que sur Aptoide. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Une application de montage telle que PowerDirector, VideoShow. Je vous conseille, si vous prenez PowerDirector, de prendre la version Pro, car c'est la version gratuite, il y a un filigrane en bas qui dit By PowerDirector, et c'est pas très joli à voir. Et la dernière application, MP3 Vidéo Converter, qui se trouve sur Aptoide aussi. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces trois applications, vous allez aller sur TubeMate et vous allez taper Intro no text et vous cherchez une intro qui vous plaira. Hein, voilà. Donc, moi, j'en ai trouvé une vite fait. Hein, c'est un truc vraiment banal. Une fois que vous avez trouvé ce qu'il vous faut, vous allez appuyer sur la petite flèche bleue. La petite flèche verte, désolé. Et vous allez choisir la résolution de comme vous voulez. Moi, je vous conseille en version MP4. Je vais pas prendre une trop grande résolution, sinon ça va faire bugger. Je vous avais déjà présenté vidéo. Comment il s'appelle TubeMate pour télécharger les musiques. Voilà, donc c'est déjà terminé. Vous avez rien remarqué, tellement c'était rapide. Voilà, une fois que vous avez trouvé l'intro no text et que vous l'avez téléchargé, vous allez aller sur votre application de montage. Voilà, vous le démarrez. Donc l'écran est tourné, c'est normal. Je vais le tourner en même temps, vous verrez, vous inquiétez pas. Voilà, donc vous créez un nouveau projet, vous choisissez l'intro no text. Voilà. Et si on démarre. Ouais, on s'en fiche. Et si on démarre. Voilà, donc on peut voir que ça marche très bien. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour mettre votre nom? On va monter un peu le son. On va coller en même temps, en fait. En fait, au moment où il y a genre l'explosion, par exemple ici, vous allez mettre votre nom, en fait. Vous allez mettre un texte. Vous allez mettre un truc tout simple, hein. On va mettre ça, par exemple. À ce moment-là, on va couper correctement. Voilà. Je suis pas très familiarisé avec cette application de montage parce que je l'utilise pas. Enfin, voilà. Vous pouvez le faire aussi sur votre ordinateur si vous voulez. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà. Bon, je vais couper et je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Non, en fait, il n'y avait pas besoin de couper du tout. Voilà, disons que ça donne à peu près un truc comme ça. On appuie dessus. Et là, vous écrivez votre pseudo. Par exemple, moi, je vais écrire Bébé Gaming, quoi. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Vous le mettez un peu au milieu, quoi. Et si on lance, ça donne un truc assez sympa. Voilà, donc c'est vraiment très basique, c'est vraiment fait pour les débutants, donc pour ceux qui commencent sur YouTube, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc j'ai rien d'autre à vous dire, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Je vous retrouve sur une nouvelle vidéo que je sortirai peut-être un tout petit peu plus tard après cette vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu sortir la vidéo la semaine dernière parce que j'ai eu un gros problème. Enfin, je pense pas vous l'avoir dit. Je sais pas. Bref. J'ai eu un problème avec ma bande son. C'était dégueulasse. C'était pas possible à sortir. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!